Dans la partie 6 des vidéos de statistiques, je vais parler d'un nouveau vocabulaire. Ce sont les fréquences en pourcentage. Il faut noter que les fréquences en pourcentage peuvent être appelées aussi pourcentage seulement. Ou bien on peut les appeler fréquences en pourcentage, ou bien on peut les appeler pourcentage tout simplement. Et si il y a aussi une formule à retenir. La première formule des fréquences en pourcentage égale fréquence fois 100. Donc, vous prenez la fréquence de n'importe quel caractère et vous multipliez cette fréquence fois 100. La deuxième formule, effectif fois 100 divisé par effectif total. Les deux formules sont importantes et il faut retenir les deux formules des fréquences en pourcentage parce que dans les exercices statistiques, on peut utiliser ou bien la première ou bien la deuxième, mais parfois, nous n'avons pas le choix. Nous devons utiliser une des deux et il faut savoir les deux. Il faut retenir les deux pour pouvoir les utiliser dans les exercices statistiques. Maintenant, je vais reprendre l'exemple que j'ai fait déjà avec Sami qui compte ses poules, ses lapins et ses canards. Et vous vous souvenez bien sûr du tableau statistique que nous avons fait, la ligne du caractère, la ligne des effectifs, effectifs cumulés, les fréquences que nous avons calculées et les fréquences cumulées. Maintenant, je vais prendre ce tableau et je vais ajouter deux autres lignes. La première ligne, c'est la ligne des fréquences en pourcentage. Donc, ce sont les fréquences en pourcentage, ou bien vous pouvez dire tout simplement pourcentage. Et remarquez bien, comme les fréquences et comme les effectifs, il y a un casier total. La formule fréquence en pourcentage égale fréquence fois 100. Je vais faire ici un seul exemple, un seul caractère, et vous pouvez faire les autres vous-même, parce que tous les autres caractères, c'est-à-dire lapin et canard, suivent la même formule. Donc, égale 0,5, c'est la fréquence des poules, fois 100 égale 50%. Je vais faire la deuxième formule. Pourcentage égale effectif fois 100 sur effectif total. Si je prends l'effectif des poules, c'est-à-dire le nombre de poules, c'est 20 fois 100 sur 40, cela donne 50%. Maintenant, je mets 50 dans le casier des fréquences en pourcentage pour les poules et je fais la même formule pour les lapins et j'obtiens 37,5% et pour les canards et je vais obtenir 12,5%. Le total, c'est la somme des fréquences en pourcentage. 50 plus 37,5 plus 12,5 et je vais obtenir à la fin 100. La dernière ligne, ce sont les fréquences en pourcentage, mais cette fois cumulées. C'est-à-dire le pourcentage cumulé. Comme j'ai fait avec tous les autres, avec les fréquences cumulées et avec les effectifs cumulés, je vais écrire la première valeur telle qu'elle est dans le premier casier. Je vais ajouter à cette valeur la deuxième valeur. Je vais obtenir ici 87,5. Puis je vais ajouter 12,5 et je vais obtenir 100. Remarquez bien qu'avec les effectifs et les effectifs cumulés, on a trouvé la même valeur pour les effectifs cumulés et le total. Dans les fréquences et les fréquences cumulées, on a trouvé la même valeur qui est 1. Et ici, à la fin, avec les fréquences en pourcentage et les fréquences cumulées en pourcentage, ou bien fréquences en pourcentage cumulées, on va trouver la même valeur. Dans tout le monde, dans tous les exercices statistiques, le total des fréquences en pourcentage est toujours 100 et le total des fréquences est toujours 1
Et toujours, vous allez trouver que le dernier casier des fréquences cumulées est toujours 1, et le dernier casier des fréquences en pourcentage cumulé, il est toujours 100.